Bah, d'abord, c'était une occasion pour moi de venir devant la Chambre de commerce et d'industrie, d'écouter les chefs d'entreprise, de leur parler, de leur passer un certain nombre de messages et d'échanger, de dialoguer. Vous avez vu, dans un très bon esprit, qui est celui à la réunion de la relation entre les services de l'État et les entreprises. Nous, l'État, on est là pour aider les entreprises. C'est pour ça qu'on a envie de se démener chaque jour. Et les entreprises, elles savent qu'elles peuvent compter sur l'État. Parmi les différents dossiers qui ont été vus, un projet stratégique, des cadres sectoriels, etc., ça montre que la CCI réfléchit à son avenir. Puis effectivement, on devait signer ensemble la convention d'objectifs et de moyens, mais il y a un sujet national aujourd'hui qui est dans le cadre de la discussion sur le budget de 2024, une évolution des ressources des chambres. Et donc le président l'a expliqué, c'est une consigne nationale que de ne pas signer tout de suite. Ça a été délibéré positivement, donc ils l'ont approuvé cette convention, mais de ne pas la signer tout de suite parce qu'il y a encore un débat à l'Assemblée qui va continuer. Le vote du budget n'a pas eu lieu. Et donc dans cet instant-là, on attend la signature. Voilà pourquoi.